Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon votre position. Lorsqu'on évoque le mot sorcellerie, cela fait frémir plus d'un. Pourtant, ce phénomène est aussi vieux que le monde. Il existe sur tous les continents. Mais la sorcellerie déstabilise et ravage en Afrique, surtout dans les familles. Ce soir, nous allons essayer d'explorer l'univers de la sorcellerie. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes couverts par la lumière céleste. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Maître Clément Georges Dodo. Bonsoir. Bonsoir, mon cher journaliste, chez vous. Ça va très bien, Maître Dodo. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition au phénomène de la sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Le mot sorcellerie, c'est quoi? Le mot sorcellerie est là pour... C'est vrai, c'est pour neutraliser les gens, pour détruire, pour saccager. Mais pour les initiés, pour les grands serviteurs, pour les vrais serviteurs de Dieu, et la sorcellerie, c'est à utiliser. Je le répéterai partout. Et comment on peut l'utiliser? Oui, nous allons venir là tout à l'heure, par la divine providence. Il faut toujours l'utiliser parce que il ne reste plus que la... Mais ces sorciers, il n'y a pas de positivité pour eux. Ils sont là pour détruire, pour saccager, pour envoyer des maladies et qu'on sort. Mais quand vous allez vers la magie divine maintenant, c'est-à-dire la lumière divine, ils sont à utiliser. Parce que quand vous avez les méthodes, mais ça, ceux-ci sont diminués. Ils n'ont plus la force, mais il faut d'abord monter vers le ciel avant de descendre parmi eux. Donc la sorcellerie, c'est un mot qui est là, qui ravage l'Afrique. Mais est-ce que ça ravage? Ça aide même les humains à monter. Moi, je le dis parce que j'ai été confronté. Il faut quelqu'un qui a vécu ça d'abord. J'ai été énormément confronté. Vous avez vécu ça? Comment? Et sauvagement même. Les sorciers se sont occupés de vous plein, sérieusement. Plein. Ils ont fait le boulot et heureusement que le ciel aussi veut sur moi. Nous sommes là maintenant et ils vont dire, mais il est encore vivant. Et comment ça s'est manifesté, la sorcellerie, dans votre cas? On vous envoie tout, on vous envoie tout. D'abord, c'est par les maladies et après les accidents. C'est-à-dire, on vous envoie tout. Vous êtes envoûté de part et d'autre. Et là, ils arrivent même à vous diminuer financièrement. Ils ont tout, mais ils ont tout négativement. Le mot est tellement puissant pour moi aujourd'hui, il faut l'utiliser. La sorcellerie maintenant, c'est à utiliser, mais en se liant d'abord au ciel, en augmentant en soi la lumière. Et là, on peut les utiliser, ils sont nécessaires, il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est quand on est en bas que ces gens-là sont forts. Mais vous dites quand on est en bas comment, ça veut dire quoi? Quand on ne prie pas bien, parce que, excusez-moi le terme, là je vais vous révéler quelque chose. Aucune religion n'a prêché ce qu'on appelle la sorcellerie. Les pouvoirs de l'art, aucune religion. Comment aller contre eux? C'est vrai que... Là, il ne faut pas aller contre eux, mais comment faire avec le monde divin? Aucune religion ne prêche. Donc, les gens sont souffrants. Malgré les prières, les gens souffrent de gauche à droite. Il faut courir encore chez les marabouts, les féticheurs. Ce n'est pas ça que ça ne va rien donner. Il faut frapper par la lumière. Et comment? Quand vous dites la lumière, c'est assez, disons, élitiste. C'est pour des gens qui comprennent peut-être les autres dimensions de la lumière, mais les téléspectateurs qui nous suivent puissent vraiment comprendre. Moi, avec mes expériences, c'est le soleil que j'ai vu. Je rends hommage encore à mon grand maître, Moura Mikhaïl Ivanov. Le soleil, c'est lui. Je vous l'ai dit ici, je vais répéter. Le Saint-Esprit, c'est le soleil. Il n'y a pas de feu. C'est vrai que ce n'est pas encore arrivé. Et si vous me permettez, si on a eu le Saint-Sacrement entouré des aiguilles, ça veut dire que les rayons du soleil aussi, vous voyez, c'est la même forme. Ouais. Donc, il faut aller vers le vivant aujourd'hui. C'est le vivant qui va sauver le monde. Le soleil, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est l'an du foyer. Si quelqu'un trouve mieux que ça par rapport au soleil, moi, je vais laisser le soleil. Mais je ne pourrai pas, je ne pense pas que je vais laisser le soleil. Parce que j'ai touché les plus hautes entités célestes là. Les grands maîtres sont là. Même comment vous faites? Quel est le lien que vous avez avec le soleil? Comment est-ce que vous travaillez avec le soleil? Tout le monde a ce lien. Comment? Si nous revenons sur Adam et Ève, oui. Ils ont été créés par le Seigneur. Et là, ils étaient dans le plan éthérique. Mais Adam et Ève étaient nourris aussi par la lumière du soleil, par la chaleur du soleil. C'est quand ils ont désobéi là qu'ils ont tout perdu. Mais ils étaient encore, c'est-à-dire nourris par la lumière du soleil. Donc tout le monde est connecté aujourd'hui. Mais il faut maintenant aller vers le soleil tous les matins et les soirs. Et prier comme on prie à la maison. Demander au soleil, mais je suis confronté à temps. Je ne dois pas dans ma famille, je suis confronté comme ça. Mes enfants sont malades. Il faut déposer des plaintes devant le soleil.
C'est le soleil, la clé de tout. C'est lui, le Saint-Esprit. Il faut le feu. Il faut le feu sacré de l'amour divin pour foudroyer ces sorcières-là. Sinon, ils sont tellement puissants en bas, rien ne les fait peur en bas. Mais quand tu vas en haut, là, ils commencent pas à trembler. Et c'est le soleil qui est là pour faire le travail. C'est le Saint-Esprit qui est là pour faire le travail. Mais les gens n'ont pas appris à travailler avec le soleil, comme vous le dites. Oui, on le dit chaque fois. Simplement. Oui, oui, oui. Non, c'est simple. Comme vous êtes là maintenant, oui. Il suffit d'aller vers le soleil le matin. Comment? À quelle heure, par exemple? Il faut le lever du soleil. 6h30, ça dépend 7h. Bon, quand on va au service, à 6h du matin, on peut dire un mot déjà. Et le soir, 17h, 18h, ou à 17h même, c'est mieux, il faut parler au soleil. Il faut l'imaginer. C'est le foyer de feu. Moi, je peux vous dire que dans les rayons du soleil, il n'y a que des grands esprits du monde qui se manifestent à travers le soleil. Et je vous l'ai dit, même le Christ, là, il se manifeste à travers le Saint-Esprit. Il y a un mec qui est là qui se manifeste à travers le Saint-Esprit. Donc, tout est devant nous. Il faut aller vers l'essentiel. Dieu ne connaît pas la sorcellerie. Nous sommes tous au service de Dieu. Si les grands maîtres viennent, quand vous parlez de la sorcellerie aux grands maîtres, dites, mais le mot est sorti d'où? Parce que c'est, oui, quand vous avez les grands pouvoirs divins, mais c'est les sorciers, ils sont à votre service. Ils aiment la frappe. Il faut frapper avec la lumière. C'est-à-dire, il faut prier. Il faut être connecté sur le monde divin. En bas, il ne faut pas être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez être avec les marabouts des sorciers, ils vont vous finir. Il faut aller chercher le pouvoir d'en haut et descendre maintenant. C'est ça. Et le faire la fête. Alors, dans notre pays, on parle souvent de réseau. Il est dans le réseau, il est ceci et tout ça. On parle de connexion ou de transmission, de phénomène de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, la sorcellerie, c'est comme de l'eau à boire aujourd'hui. Hein. Oui, oui, c'est comme de l'eau à boire. Ça, ce n'est pas donner quelque chose que l'enfant qui fait qu'on doit la sorcellerie. Quand on laisse le côté infernal qui est en nous, on ne prie pas et c'est ouvert aux démons, mais vous êtes sorcier debout. Maintenant, ça dépend les pensées, les sentiments et les actes. Pour que, maintenant, que ces esprits démoniaques cherchent à vous utiliser. Mais quand vous pensez bien, là, ils n'ont pas accès. Maintenant, il faut prier pour que le côté infernal soit au service du côté divin. Sinon, vous êtes exposé à la sorcellerie. Tout le monde est exposé. C'est-à-dire, quand il dit à la sorcellerie, c'est des mauvais esprits. Tout le monde est exposé. On dit, j'ai vu tel esprit qui est rentré à moi. C'est parce que tu es faible. Quand on est faible, mais ces esprits rentrent dedans. Et maintenant, les sorciers, quand on dit les sorciers, c'est des humains aussi. Ils sont des créatures. Ils sont aussi sur la domination du Créateur. Bon, ils ne sont pas forts. Si nous sommes tous des créatures, c'est parce qu'ils ont cherché le négatif qu'ils sont forts. Mais il faut aller du côté positif. Maintenant, il leur montrer que Dieu est au-dessus de tout. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Pour la sorcellerie, il n'y a pas de problème. Mais on dit, telle personne est sorcière, peut-être des parents, des grands-mères, après maman. Et on donne à l'enfant et l'enfant ne sait pas. Il ne sait pas d'abord. Il se retrouve des fois là-bas, il dit que j'ai mangé de la viande, j'ai fait tant. Je n'ai pas trop donné de détails pour ça, parce que il travaille pour la lumière. Oui, oui. Il travaille pour la lumière parce que mais, comment frapper? Je suis là pour vous dire comment frapper, parce que moi j'ai été victime sauvagement. Là, je vous le dis avec la sorcellerie, je le dis ouvertement. J'ai été vraiment victime, mais heureusement que le ciel veille sur moi. Ils vous ont secoué. Correctement même. Et j'ai le petit chapeau, ça, il faut l'avouer. Mais aujourd'hui, maintenant, si j'essaye, ils vont disparaître. Ah oui, parce devant que maintenant vous êtes barricadé. Pas le ciel. Ça là, c'est. Pas le ciel. Mais tout à fait. Et même ça, si j'essaye, ils disparaissent. Il faut être temps pour tout le monde comme ça. Mais tout le monde aurait aimé que le ciel s'occupe de lui. Mais on est et là. Et pas seulement ça. De vous. Non, on est là pour ça. On est là pour cet enseignement. C'est là où on ramène les gens vers l'essentiel. Il faut aller vers le soleil aujourd'hui. C'est lui le Saint-Esprit. Il n'y a pas de feu. Ils n'ont peur que du feu sacré. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est révélé à tout le monde. Il faut prier devant le soleil. Il faut attirer les anges en soi. Et là, vous avez la carapace des anges et des entités célestes maintenant. Et là, on est barricadé. Sinon, on va toujours continuer sorcellerie. Mais on va où? Mais ça ne sauve pas. Non, c'est vrai. Alors, quel est le corps que le sorcier ou les sorciers utilisent quand ils veulent se projeter dans l'astral? Ils ont leur méthode. Hein. Ils ont leur méthode. Mais ils ont des corps, ils ont plusieurs corps aussi, mais c'est toujours le bas. À partir de Makhlout, comme vous le dites. Oui, oui. Et un peu les autres, mais c'est toujours Makhlout. Oui. C'est toujours malheureux. Ils ont les vertus qu'ils utilisent. Ils ont des paroles incantatoires. Et ils se dédoublent seulement. Et ils veulent faire la fête à toi. Parce que, j'en ai vu, hein, j'en ai vu. Mais ils sont aussi limités. Je vais le dire. Parce qu'à chaque fois, il faut le dire, ils sont limités aussi. Parce qu'on ne connaît pas encore ce qu'on appelle la lumière. Ouais. Donc, ils se dédoublent. Ils voyagent, mais ils voyagent. Ils vont où? Ils vont pas assez. C'est-à-dire, voyager, mais ils sont limités quelque part. Avec des oiseaux, avec des conneries qu'on répète chaque fois. Mais ils sont pas forts. Ils sont pas forts. La société n'est pas forte. Elle est forte pour les faibles et pour les paresseux, ceux qui ne veulent pas travailler avec la lumière.
Le mot lumière, je ne fais que vous répéter ça, parce que la prière, c'est de converser avec la lumière. Il n'y a que la lumière du soleil qui est là maintenant, qui est là pour nous tous. On va vraiment se donner à ça et s'en sortir. Mais on voit que dans notre pays, par exemple, y a des sorciers qui se transforment en hiboux, en geckos, en des reptiles pour aller déstabiliser, malmener leur cible. Pourquoi ils ont choisi ces supports-là? Oui, ils ont choisi parce qu'ils ont vu que les oiseaux, là, les hiboux, sont des oiseaux un peu puissants. Non, c'est naturellement, hein. Ils sont puissants naturellement, mais ils ont réfléchi aussi, ils ont choisi les hiboux. Mais quand vous voyagez, les hiboux sont des oiseaux naturels. Vous conversez avec les hiboux simplement. Mais ils ont choisi ces oiseaux-là. Mais est-ce que les sorciers, même les vrais sorciers, utilisent les hiboux? Non, ils sont plus forts. Quand les plus forts veulent vraiment sortir, ce n'est plus affaire d'hiboux. Ils ont des animaux qui prennent. Et pas qui prennent. Ils deviennent très puissants dans certains oiseaux, certains animaux. Au bout, avec les hiboux, là, il faut les laisser. Ah oui? Ils ne prennent pas des chats, des fois. Oui, des chats, voilà. Les moi, chats, les geckos. Oui, oui, oui. Bon. Les geckos, les reptiles. Les reptiles aussi, c'est petit, mais pas les chats. Les chats. Ah, c'est de double. On ne va pas trop aller à détail, quoi, parce que les gens vont avoir peur. Vapeur, oui. Ce n'est pas le but de l'émission, non. C'est ça, merci. C'est pour permettre aux gens de comprendre. De comprendre, merci. Et de les aider à travailler. Oui, à travailler. Avec la lumière. Oui. Donc, c'est un peu dur, mais il faut vraiment aller. La société, c'est une bonne chose. Moi, je le dis aujourd'hui. C'est celui qui a été frappé pour vous dire que c'est une bonne chose. Je vous le dis. Ça dit, ça vous a permis de vous réveiller. Tout à fait. Sinon, de travailler plus. Je ne serais pas à ce niveau. Peut-être je vais me dire que je suis déjà bon, non. Vous voulez dire que c'est une opportunité. Ils sont très utiles. Comme je vous dis, le mal est utile. Les sorciers sont utiles. Il faut maintenant prendre par eux et grandir. Dieu n'est pas con, sinon il allait anéantir ces choses-là depuis. Mais s'il a laissé ça, c'est pour nous permettre d'évoluer. Mais quand on est en bas, on est faible là, là ils gagnent. Ils vont vous filer. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont armés, diaboliquement. Maintenant, il faut aller vers l'essentiel. Il faut aller vers le feu. Ouais. Je le dirai partout parce que je sais de quoi je vous parle. Ils se dédoublent, ils viennent chez vous, même à côté de vous, vous ne savez pas qu'ils sont là. Ils font leur boulot, ils partent. Mais quand vous avez le feu, il y a le feu qui est allumé en vous, ouais. Là, ils ne commencent pas à trembler maintenant. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont sous ordre. Ouais. Donc, on ne doit pas leur donner la puissance pour dire qu'ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts pour les faibles et pour les chétifs. Mais ils ne sont pas forts, les sorciers. Parce que moi, je les ai vus après, ils essayent, ils se regroupent, ils font des... Chacun a sa destruction, ouais. À son schéma. Ils peuvent se mettre maintenant à 7, de lundi à dimanche, vous seuls. On vous aborde n'importe quoi tous les jours. Et je ne sais pas quoi. Des problèmes. Des problèmes, des accidents. Mm-hmm. Et chacun a sa méthode. Et ils alignent toutes ces méthodes là pour une seule personne. C'est là où je vous dis, il faut se lier au ciel chaque fois. Là, quand il vous touche, il touche le ciel immédiatement. Quand on se lie au Saint-Esprit, quand on vous touche en bas, il touche le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont peur que de la foudre céleste et le feu sacré de l'amour divin. Ah oui, quand ils attendent la foudre, ils savent qu'une force veut descendre sur la terre. Qu'est-ce que ceci va attendre pour dire que la foudre va venir? Il disparaît. Non, c'est ça, je vous assure. Donc, il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, on ne va pas trop donner de détails parce qu'on n'est pas là pour les dire, mais ils ne sont pas puissants. Ils sont puissants pour les faibles, pour les chétifs, pour les vrais fils de Dieu. Non, la sorcellerie, c'est une opportunité. Il faut passer par là pour grandir. Pour grandir. Alors, est-ce que le sorcier, on dit que les sorciers sont capables, par exemple, de se téléporter, d'aller très loin, une longue distance en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, pour aller... pour aller attaquer des gens, pour aller opérer. Oui. Qu'est-ce qui leur donne cette possibilité-là? Non, c'est là, ils ont les systèmes, hein. Ils ont les vertus, ils ont des choses à utiliser. Ils voyagent rapidement. Hein. En France, maintenant, quand on fait 6 heures de vol pour aller en France, eux, c'est 6 minutes qu'ils font. Rapidement. Mais ils font 6 minutes pour aller voir qui? Je ne fais que vous répéter le ciel. Parce que je les ai expérimentés un peu aussi. Mais ils ont peur, c'est des peureux. Quand vous frappez bien avec le feu sacré, ils courent pour aller prendre des bains de gauche à droite. Les sorciers qui se disent sont aussi courts. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus de tout. Ils voyagent, effectivement, ils vont faire du mal, mais pour les faibles. Demandez à un sorcier, à une sorcière maintenant, d'attaquer un vrai serviteur de Dieu. Ils vont dire non. On ne peut pas. Parce que ce qui va se passer après, oui. Là, vraiment, ils vont payer cher. Donc, c'est ça que je veux dire. La sorcellerie, elle est bonne. Elle est bonne pour vraiment pour ceux qui veulent évoluer. Aller vers la lumière, parce que sans le mal, on ne peut pas chercher le bien. Il faut le mal d'abord. Il faut le mal nécessairement. Et le bien apparaît après.
Le mal est nécessaire. C'est quand on se laisse, on va s'asseoir à l'église, on dort avec des lunettes là. Vous êtes fini. Il ne faut pas aller dormir. L'être humain a des travaux à faire sur lui-même. Des grands travaux spirituels à faire sur lui-même. Pour éveiller maintenant le sens. Il faut apprendre des sens comme ça maintenant. Si on est créé à l'image de Dieu, et qu'on dit la sorcellerie gêne les humains, mais c'est faux. Si vous ne savez pas faire, mais ils vous finissent tout de suite. Mais ils finissent qui aussi? Les gens faibles. Toujours les faibles. Ceux qui ne sont pas connectés sur le monde divin. Ceux qui n'ont pas la lumière en eux. Totalement, je vous le dirai partout. Parce qu'il faut ce combat. Moi, des fois, aujourd'hui, quand ils m'attaquent, je suis content d'eux. Plus ils m'attaquent, plus je grandis parce que je mets les méthodes kabbalistiques en place maintenant. Et je fais appel au ciel. Et quelles sont ces méthodes kabbalistiques là pour aller contre les sorciers? Si on peut expliquer les méthodes kabbalistiques. Non, en fait, de manière quand même... Un peu simple. Un peu simple pour permettre aux téléspectateurs, parce que les gens ont besoin aussi de ces méthodes-là pour se mettre à l'abri de ce fléau-là, de ce phénomène. Tout à fait. Bon, je vais te dire quelque chose. Hein. En travaillant avec la lumière du soleil, oui. Les anges du soleil viennent vous donner aussi des secrets. Que les gens commencent. Parce que le fait d'aller s'exposer au soleil, de regarder le lever, le soleil au lever. Se concentrer sur le soleil. Parce que quand on me dit qu'on ne peut pas se concentrer sur le feu, la lumière, c'est faux. Quand on veut chercher une femme, on arrive à se concentrer sur la femme. On gagne. Mais il faut faire la même chose avec le Saint-Esprit aussi. Il faut se concentrer sur le divin. Et si on doit le faire, on le fait pendant combien de minutes, par exemple? 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, mais ça dépend de votre temps que vous avez. Le matin. Le matin. Parce qu'à partir de midi, quand le soleil est au zénith, on ne peut plus le faire. Non, impossible. Et nos yeux même ne sont pas préparés pour le voir à midi, à 13h, 14h. Non, 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 non. Il faut aller au matin, au lever à 6h30, 7h. Merci. Et à 17h maintenant. 16h30, 17h. Quand il va se coucher. Très bien. Il n'y a que des puissances et nuits dedans. Vous verrez, tous les grands esprits du monde divin se manifestent à travers le soleil. Même les grands maîtres, Moïse et consorts, ils sont dans le soleil. Et mais tout le monde n'arrive pas à les voir. Parce qu'il faut réveiller les facultés supérieures pour pouvoir voir ces entités dans le soleil. Il faut commencer quelque chose. Ok. Quand on commence, on arrive à faire. À le faire. Moi, je vous le dis parce que je suis là un exemple pour vous. J'ai commencé. Pendant combien de temps vous avez regardé le soleil, Maître Dodo? Bon, ça a été rapide pour moi parce que j'étais énormément confronté à la haute sorcellerie. Et quand le ciel m'a parlé, parce que j'avais des grandes révélations du ciel, et le maître Aurore m'a parlé pour dire ça y est, ça je vous dis la vérité. Il dit maintenant que vraiment, tu es envoyé par ton Père Céleste pour une mission. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc tous les jours, excusez-moi le terme, même je fuyais l'argent pour travailler avec la lumière. C'est-à-dire vous aviez abandonné votre vie prosaïque. Merci, un peu. Oui. Un peu, pas trop, un peu quand même. Mm-hmm. Et pour me renforcer le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a vu dans le soleil, je ne sais pas si quelqu'un, et si je peux le dire aujourd'hui, je vous dis, vous êtes devant vous, comme vous êtes là, tous les esprits sont comme ça en haut. Ils vous regardent, ils travaillent avec vous. Vous sentez leur présence en vous, ils sont à côté de vous, ils travaillent, ils vous protègent. C'est ça qu'on doit apprendre aux gens, sinon la sorcellerie a pris le dessus. C'est des professionnels. Mais on fait les prières quand même. Est-ce que ces méthodes-là ne concourent pas à limiter un peu le phénomène? Non, c'est pas encore puissant. Quand on prie, on adore qui? On prie pour qui? Quand on adore la matière, ça veut dire qu'on adore la sorcellerie encore? Il faut adorer les esprits divins. Supérieurs. Supérieurs. Quand on dit au nom de temps, qui est un être humain qui a fait son travail sur terre, vous adorez, on adore qui? Ça ne marche pas, quand même. Et la sorcellerie continue à détruire les gens comme ça. Il faut d'abord apprendre aux gens à aller vers l'essentiel. Quand on est bien barricadé, je vous assure, un sorcier même vous fuit. J'en avais rencontré une vieille comme ça, qui est une vieille sorcière. Elle m'a dit un jour, c'est le ciel seul qui nous fait peur. Une vieille qui m'a dit, elle dit en bas, personne ne nous fait peur. Et elle m'a dit de quitter cet endroit parce que, avec mon aura, quelqu'un n'arrive pas à se retrouver. J'ai quitté l'endroit. Je lui ai dit que je m'en vais. Il dit non, il faut quitter. Et j'ai tiré quelque chose chez elle encore. Il dit c'est le ciel. Vous avez tiré. Oui, ça veut dire que. Mm-hmm. Elle dit une grande vérité, que seul le ciel lui fait peur. Et elle parlait de quoi? De la foudre céleste et du feu sacré de l'amour divin. Il dit quand le feu est quelque part, on n'aime pas trop. Mais quand la personne est prête du moins pour faire la magie noire aussi, à là. Parce qu'eux, ils sont forts dans la magie noire. Ils sont nombreux. Mm-hmm. Toi, tu es seul ici, il faut courir de gauche à droite. Mm-hmm. Et vous voyez, et puis c'est les mêmes forces. Comme je l'ai dit la fois dernière. Il ne faut pas utiliser les mêmes forces pour faire ce travail. Il ne faut pas combattre la sorcellerie, non, pas les pratiques non, base astrale. Non, pas du tout. Vous êtes finis. Ils sont très dangereux, très nocifs. Ils sont très nocifs. Et je vous ai dit, celui qui a peur est terrassé.
Si vous avez peur d'associer comme ça, vous êtes à la scène. Mais il ne faut pas aller les insulter. Hein. Non plus. Il ne faut pas aller les voir. Pas les provoquer. Non, les provoquer. Même si tu travailles avec la lumière, reste dans ton coin. Il faut rester dans la discrétion et faire le boulot. Avec ta lumière. Avec ta lumière. ça, là, sinon, ils vont te faire. C'est quand tu as un niveau donné maintenant, que toi, tu sais que là, maintenant, tu es vulnérable. À là, si on veut te voir, tu leur dis non, attention à vous. Ça, je ne dis pas que d'aller voir les sorciers. Sinon, mais ils vont te finir tout de suite. Ils vont te finir. Je ne sais pas d'où ils ont cherché cette destruction-là, mais on a vérifié après. Ce n'est que leur travail pour aider les humains à monter. Oui, c'est le travail. C'est parce que c'est leur utilité, ça. Merci. Ils sont là pour amener les humains à aller plus vite, à se prendre en charge. En charge, merci. Et à prendre conscience de ce qu'ils sont réellement. Merci, merci. C'est la religion qui n'arrive pas à bien presser. Sinon, ils sont là, ils sont très utiles. Un sorcier vous attaque, mais il faut lui dire merci. Il vous amène, il vous réveille. Pour que vous fassiez votre travail, ce que vous devez faire. Et comment? Pour vous élever. Merci. Et après, elle me dit que si elle savait, je n'allais plus l'aider. Je n'allais plus faire ce travail-là. Parce qu'après, elle regrette, la personne regrette. Après, pour dire, mais à cause de moi, maintenant, elle est montée. Où il est monté? Vous montez complètement, vous le dépassez, vous la dépassez. Et lui, il est en bas, elle souffre après. Parce qu'il va payer après tout ce qu'il vous a envoyé. Les choses sont là, chacun va payer après. Alors, quels sont les liens karmiques à la pratique de la sorcellerie? Attends, ça là, c'est de... même à 200%, si ça peut exister, il ne faut jamais aller du côté de la sorcellerie et faire quelque chose. Hein. Moi, j'avais vu des sorciers, mais ils regrettent après, ils pleurent. Parce qu'après, ils ont des souffrances horribles aussi. Surtout quand ils attaquent le vrai fils de Dieu. Mm-hmm. Quand on attaque quelqu'un et la personne est faible, il gagne un peu. Quand il veut mourir, même il meurt, on dit qu'il a. Mais là-bas, il va payer un peu. Ça, c'est la loi divine, ça. Mais quand c'est le vrai fils de Dieu, c'est ceux qui prient, qui vont vers l'essentiel. Quand un sorcier, une sorcière vous attaque, il a des dettes karmiques à payer, automatiquement. C'est la lumière, les neutralise, les pulvérise, et après, ils perdent leur pouvoir, et ils ont des dettes karmiques à payer. C'est là que je ramène tout le monde. Il faut aller vers l'essentiel, parce que les gens souffrent, si vous sortez, c'est trop. Tout le monde, c'est la sorcellerie. C'est parce qu'on est faible. C'est moi, il ne veut pas leur donner la force. Ils sont forts. Quand on est faible, ils sont forts. Quand on laisse le côté infernal, on ne prie pas, on a des pensées négatives, ils sont aussi forts. Parce qu'eux aussi cherchent d'abord les failles. Ouais. Quand ils ne tombent pas dans quelque chose, ils ne pourront pas. Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois. Vous demandez au ciel que ces esprits démoniaques qui sont en train d'utiliser maintenant soient enchaînés. Même soient brûlés, même foudroyés par la force. Mais c'est ça, il faut le dire. Mais avec des grandes méthodes kabbalistiques. En travaillant, les anges vont vous donner ces secrets. Parce que moi, je les ai eu en haut. C'est pas qu'on m'a donné. Personne ne m'a donné quelque part ça pour ici sur la terre pour dire tiens, tiens. Non, c'est les anges qui me le donner. Un ange vient, il vous donne tel secret. Tel ange vient, il vous donne tel secret. Vous dites armez-vous comme ça sur la terre. Mais ils sont forts en haut. Ils connaissent tout en bas. C'est parce qu'on ne veut pas vers l'essentiel. Si on va vers l'essentiel, je vous assure, une sorcière même qui vient chez vous à la maison, et vous ne savez pas, une dame, une personne qui vient qui est sorcière, elle ne peut pas faire 48 heures, 72 heures. Si vous êtes élevé. Comment? Si vous avez le feu en dedans, le feu est allumé en vous, mais après, il dit, mais je vais partir. Je vous assure, il ne supporte pas le feu sacré de l'amour divin. Quel l'ange du soleil, c'est le Saint-Esprit qui est devant nous. Je sais ce que je vous dis. J'ai été éprouvé énormément, mais ils sont très utiles. C'est ceux qui ont fait aujourd'hui que j'arrive maintenant à parler du ciel. Sinon, je ne peux pas oser parler du ciel. Très bien, donc ils sont utiles quelque part. Et après, ils deviennent vos serviteurs, même si Dieu le veut, ils deviennent vos serviteurs. Les sorciers deviennent vos serviteurs. Mais est-ce qu'il est possible de quitter le monde de la sorcellerie? Ah là, il faut trouver les vrais initiés. Il faut trouver les grands maîtres de la vérité. Parce que seule la vérité libère. Le reste, c'est la pagaille. On dit telle personne, qui est tel charlatan a sauvé telle personne. Non, on change tel mauvais esprit contre un autre mauvais esprit. Pour libérer la personne, il faut la vérité. Et comme l'a dit Jésus, seule la vérité vous libérera. Donc les charlatans, les marabouts, tout ça, qui prétendent délivrer des gens de la sorcellerie haute, c'est du pipeau finalement. Complètement pipeau. Aucune force utile ne peut délivrer un sorcier. C'est juste échange. Pour un esprit démoniaque qui est un peu fort, qui est plus fort que l'autre, on prie, on ordonne, et l'autre esprit sort du corps, et mon esprit rentre dans le corps de la personne. Ça, ce n'est pas encore la libération. La libération vient du Créateur lui-même. La vraie libération vient du Christ. Et seule la vérité vous libérera, seule la lumière saura comment faire, empêcher cet esprit. Si l'esprit même veut tenir tête maintenant, il est brûlé, ça je vous assure, il est foudroyé. Et maintenant, la personne maintenant se retrouve. Il faut chercher le vrai maître pour ce travail. Sinon en bas, non, c'est juste, on remplace quelque chose par quelque chose.
par tel esprit démoniaque et par un autre esprit démoniaque. La vérité, c'est appartient au Créateur. Non, 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 que personne ne vous trompe. Il faut la lumière, il faut des méthodes cabalistiques formidables pour délivrer la personne. Oui, pour vraiment, si c'est une bonne délivrance. Hein. Oui, si c'est une bonne délivrance. Et vous attendez même les esprits là qui crient. Quand vous êtes vraiment un initié, un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, vous, en tant que serviteur, vous attendez les cris de ces esprits-là. Ah oui, ils détalent. Parce que c'est le feu qui arrive, la foudre arrive. Ah là, ils ne se battent pas ces deux faces-là. Donc il faut un initié pour livrer vraiment. Sinon, en bas, c'est faux. C'est échange seulement. Que personne ne vous tombe. Aujourd'hui, la chance est là aujourd'hui. Il y a la chance initiatique qui est là, qui prend le dessus. Et il faut comprendre que vraiment, seule la vérité va libérer l'humanité. Et c'est Dieu même la vérité. C'est le Christ la vérité, le Verbe. Il faut la science du Verbe aujourd'hui. Quand celui qui travaille avec la science du Verbe, il ne connaît pas le mot sorcellerie. Au contraire, il est content que ce mot existe. Mm-hmm. Ça me sent le mal, mais lui ne grandit pas. Non. Quand vous lui déposez une plainte en haut et qu'on ne vous a pas fait du mal, le ciel va dire, bon, c'est arrivé, mais tu es un peu à l'aise. Non, on ne peut rien pour le moment. Dès qu'ils vont t'attaquer, on va se donner. Dieu même aime les attaques. Quand on attaque ses enfants, il est content, le Seigneur. Il ne connaît pas le mal, le Créateur. Le Dieu même, oui, moi je vous assure, les anges même, ils aiment le combat. Quand on ne nous attaque pas, ils se disent, mais on ne peut rien sur terre parce qu'ils ne t'ont pas attaqué. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut fuir les sorciers maintenant? Il faut les remercier. On va les remercier. Pourquoi pas? Ce que vous dites là, c'est d'une autre dimension. Tout à fait, il faut les remercier. Ce n'est pas des discours ordinaires qu'on entend chez les gens. Parce que, oui, là je comprends. C'est parce qu'on ne va pas vers l'essentiel. On ne va pas encore vers l'essentiel. Moi, si c'est l'essentiel, là, il faut les remercier. Un sorcier, une sorcière à remercier pour dire, mais toi, tu es là maintenant pour m'aider à grandir. Mais lui ne saura pas parce qu'il connaît rien. Ils connaissent rien de la lumière. C'est ça. Ils connaissent rien de la lumière, mais ces sorciers-là. Mais ils connaissent les choses de la magie noire. Ah, ils sont armés diaboliquement, je sais de quoi je parle, avec des accidents provoqués. Oui. Mais quand vous êtes armés, quand ils envoient, ils perdent, ça, ils ont des retours catastrophiques. Il faut des vrais fils de Dieu. C'est-à-dire, si vous envoie des attaques et que vous êtes armé, ça, il y a un choc en retour. C'est un choc en retour. Il y a le choc en retour. Ils reçoivent, ils savent. Et ça le fait plus mal. Merci. C'est là qu'ils cherchent des gens autour de vous d'abord. Pour, quand vous êtes un peu armé, ils cherchent des gens qui sont autour. Comment ils vont faire? Comment ils vont hypnotiser les gens pour venir vous voir? C'est ça qu'ils cherchent. Ils ne sont pas forts. Hein? Si vous allez en profondeur, ils ne sont pas forts. Ils sont là seulement pour détruire. C'est la destruction, la méchanceté, la haine. Aucun sorcier ne pardonne. Que personne ne vous trompe pas, tel sorcier va dire, il est tel sorcier, il a pardonné, c'est faux. Ils font semblant de pleurer ici, mais allez les voir là-bas. Ils ne pardonnent pas. Ça, je vous assure, non, je suis autorisé à leur parler. C'est le temps qui m'est arrivé maintenant de vous dire, ils me font voir de toutes les couleurs. Oui, mais quand vous dites ça, nous sommes... Non, vous êtes protégés. Non, n'ayez pas peur. Pour le moment, nous sommes protégés quand même, mais n'ayez pas peur. Non, ils ne pourront pas oser. Okay. Non, quand même. Ils ne pourront pas oser. Non, je parle pour aider les gens. Que trop de gens pleurent. Les gens pleurent, les enfants souffrent, c'est vrai. Ça, il faut reconnaître ça. Il y a affaire de sorcellerie, mais ce mot n'existe pas trop pour les vrais serviteurs de Dieu. C'est une panacée pour les serviteurs de Dieu. Je ramène les gens vers l'essentiel, le soleil, qui est l'ange du Saint-Esprit. C'est tout. Vous allez voir, même Jésus va se manifester là, il est là. En tant que serviteur de Dieu, Jésus est près de l'ordre de Melchizedek, donc il est là aussi, en tant que fils de Dieu. Vous allez les voir, il vous donne maintenant des secrets. Chacun de nous reçoit c'est un secret. C'est oui, il faut d'abord expérimenter les choses et vivre. C'est quand on est là, on dit le ciel, il faut essayer tout de suite. Si on ne vous met pas dans des loges, on vous dit de venir ici. Non, quand on parle du ciel, il ne faut pas attendre. Quand on attend, on veut quoi alors? Pourquoi on attend Jésus en haut? Pourquoi on attend Marie en haut? Bon, on voit en haut, mais quand on vous dit que c'est comme ça, personne ne veut faire. Mais pourquoi les gens sont intéressés par les loges pour aller se mettre à l'abri dans les ordres et autres? Est-ce que là-bas, la sorcellerie aussi à pignon sur rue dans les loges, dans les ordres? Est-ce que quand on est dans ces milieux-là, la sorcellerie, on peut craindre encore la sorcellerie? Oui, on peut craindre. Hein, parce que il y a des loges, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais quand on dit loge aussi, celui qui ne vous ramène pas vers le ciel, un maître, un devancier, qui dit telle loge, il n'est pas connecté sur le monde divin. Un vrai serviteur de Dieu doit vous ramener vers le ciel. Vous voulez dire qu'il y a des loges, il y a des ordres qui ne sont pas connectés? Oui, pas tout, mais pas toutes les loges, mais il y a des loges. Non, excusez-moi le terme, c'est pas ça.
C'est pas ça. Je ne détruis pas, mais je ne suis pas là pour dire quelque chose, mais c'est pas ça. Un vrai maître va vous ramener vers le ciel. Tout vient d'en haut. Si ça a été dit que Dieu a créé le ciel et la terre, d'abord, avant de dire que la lumière soit et la lumière fut, mais tout est là, tout est en haut. Le ciel est parfait. Le ciel est parfait. C'est la terre qui a du désordre. Le ciel, c'est tout est parfait. Aucun ange ne fait du désordre en haut. Hein. Tu fais du désordre, mais là, tu descends. Donc, moi, l'éloge, là, c'est bien, mais il faut ramener les gens expérimenter. Aujourd'hui, on doit expérimenter les choses. Et vérifier même son maître en haut, s'il fait partie des grandes, de la grande fraternité blanche universelle d'en haut. Non, c'est ça. Il faut vérifier les dévanciers aujourd'hui. Tu es dans quelle dimension? Tu es où? Mais c'est ça. Sinon, mais attention, c'est pas possible, ça. Je ne détruis pas, mais je suis obligé de vous le dire parce que moi, j'ai vérifié mon grand maître, Mme Michael Ivanov. Il est quelque part. Sinon, je n'allais pas continuer. Mais je l'ai vu plusieurs fois. Mais même hier, je l'ai vu avant d'être là avec vous. Je lui ai dit que je vais dire quelque chose de très fort. Mais d'être avec moi, il est avec moi ici maintenant. Forcément. Donc, il faut expérimenter les choses. Il faut vivre. Quand on vous dit c'est ça, c'est bien. Quelle est cette force-là? On doit vérifier la force-là. Si le maître ne vous ramène pas vers le ciel, non, ça veut dire que vraiment, moi je dis que c'est encore, que c'est pas encore bon. On est là seulement, on donne des cours, il faut prendre par là, il faut prier comme ça. Vous ne maîtrisez pas les esprits qui arrivent. Ah, il y a des degrés aussi pour la haute sorcellerie. Oui, quand on parle de la sorcellerie, moi je ne dis pas aux gens d'aller dire la sorcellerie elle est faible. Hein. Elle est faible pour les gens forts. Mais quand tu es faible, la sorcellerie te neutralise. Elle te finit, il n'y a rien à faire. Maintenant, nous on donne les moyens qu'il faut. Il faut aller se barricader, aller s'armer avec la lumière, avec le feu. Il n'y a que le feu sacré de l'amour divin qui peut te protéger. C'est tout. Là, un sorcier ne peut pas. Vous êtes dans un quartier maintenant, vous priez bien. Vous êtes lié au ciel maintenant. Mais si ce sorcier ne va plus dormir, ah oui, moi j'en ai vu chez moi. Ils ont quitté, les vieilles ont quitté le quartier. Je l'ai dit, oui, 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 elles sont même venues me voir pour dire, mais il faut nous laisser le passage. Quand on veut passer par ici, on ne passe pas. J'ai dit, mais la voie est là pour tout le monde. Pourquoi vous êtes venus me voir? Ah, j'ai dit, moi, je ne connais rien de ce que vous êtes tenté de me dire. Non, quand on veut passer la nuit, elles voient quoi? C'est le feu. Il n'y a pas d'autre force. Mais elles ne viendront pas me voir. Elles sont venues me voir. Ça, je le dis ouvertement. Alors, maintenant, si un être humain, moi, je suis un être humain, je ne suis pas né d'un arbre. Je ne suis pas sorti d'un arbre. Je suis aussi un être humain comme vous. Si quelqu'un ose parler comme ça de la sorcellerie, ça veut dire que. Tout le monde peut le faire. Alors, il faut s'armer maintenant avec la lumière. Dieu a donné tellement de pouvoir à la lumière qu'ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès. Hein. Dieu, il est super intelligent. Il est plus que la lumière et plus que la magie noire. Mais il a donné la force à la lumière divine. Et pour les neutraliser, les pulvériser, il faut enlever la lumière. Mais il ne pardonne pas. Aucun sorcier ne pardonne. Moi, oui, c'est moi qui vous le dis. Quand on dit, c'est faux. Ne l'écoutez pas. Quand il prend sa proie, ils l'exécute. Okay, comment? Vos enfants, même après. Ah, ils font les choses de vous, aux enfants, aux petits-enfants. Mais comment? Ils s'occupent de votre lignée. Lignée totalement. Ils neutralisent tout. Quelle force viendra vous sauver alors? C'est la vérité qui viendra vous sauver. C'est le Christ lui-même, le Verbe. Au commencement était le Verbe. Il faut aller vers la sens du Verbe. Nous avons besoin aujourd'hui de l'école de la force. Il faut aller à l'école de la force aujourd'hui. Nous sommes tous à l'école de la faiblesse. Et même les sorciers viennent s'asseoir dans les églises, ils s'y plaisent. Non! Tu prêches toi, les sorciers, non, quand même, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas encore fort. Mais quand c'est fort, il ne peut pas venir. Qui? Il fait deux minutes, il dit je viens, vous n'allez plus le voir, vous n'allez plus la voir. Je sais de quoi je vous parle. Ils savent. Un sorcier ne respire pas. Quand il y a le feu quelque part, il s'étale. C'est-à-dire quand vous prononcez des paroles kabbalistiques. Intérieurement seulement, même un peu. On ne parle pas comme ça, hein. Intérieurement, vous parlez seulement, lui sait même, il sait. Parce que lui aussi, il a ses esprits aussi, qu'il est en train d'envoyer. On lui dit de quitter l'endroit immédiatement, sinon la foudre va agir. C'est la débandade. Oui, c'est la débandade, vraiment. La foudre, c'est ça, va agir. Quand on dit la foudre, là, les gens ne comprennent pas ce qu'il y a dedans. C'est la foudre qui agit. Les sorciers, ils sont là pour nous aider. Il faut leur dire merci, parce que moi je dis merci à tous ces sorciers. Oui, ils vont tester pour voir. Oui, vraiment. Vraiment, ils m'ont testé, mais c'est bien, je suis content. Mais eux aussi, ils sont diminués aujourd'hui. Ah, ils savent. Au moins, il faut les quitter. Quand ils vous testent, ils vous pourchassent, il ne faut pas mourir et après, ils vous récupèrent. Là, c'est grave. Comment on ne comprend pas ça? Après votre mort, ils vous récupèrent. Quand les sorciers vous tuent, quand vous vous laissez aller, faible, chétif, et ils vous tuent, mais ils ont accès encore sur l'âme quelque part. Sur vos différents corps dans le monde invisible. Oui, d'abord. C'est un grand secret, je vous livre. Non,
quand le mal te poursuit, tu dois tout faire pour monter vers le bien et aller vers le Créateur. Mmh. Et là, tu le remercies après. Il faut dire, mais mal, toi, tu es bien quand même. Mais si tu prends... Je ne vous comprends pas. Ça dit que vous dites que si nous sommes victimes de sorcellerie, oui, quand nous allons quitter notre corps physique et nous allons dans les mondes supérieurs, dans le monde invisible, dans le monde invisible, oui, nous sommes toujours sous le contrôle des, oui, des esprits négatifs. Oui, oui, toujours. Une sorcière, comme les gens cherchent à tuer les sorciers, quand une sorcière te dérange, on dit, ah, il faut la tuer, il faut le tuer. Non, on ne tue pas les sorciers. Quand une sorcière n'est pas, si elle n'a pas encore fini son temps sur terre, et elle meurt, elle devient plus dangereuse là-bas quand elle va là-bas. Parce qu'elle n'a pas encore fini son temps sur la terre. Elle devient plus puissante. Dans le monde invisible. Ah, dans le monde invisible. Et de là-bas, elle va prendre pas ses nièces, pas, elle travaille encore sauvagement. Mais si elle est là, et vous avez le secret de la lumière divine, le secret du monde divin, et vous déposez des plaintes devant le ciel, avec des bombes atomiques, comme on le dit, elle est debout, mais elle est dépouillée de toutes ses forces infernales. Et vous ne sauvez pas, ce n'est pas vous seul, hein. Vous sauvez des âmes sans le savoir. Parce qu'elle n'est pas là pour vous seul. Elle détruit aussi des gens de gauche à droite. Donc elle est dépouillée de ses forces infernales par le feu sacré de l'amour divin et par la foudre céleste. Donc elle devient nulle. Et quand elle part, elle est vide maintenant dans l'invisible. Elle est rejetée même par les siens. On lui dit, mais toi, comment tu as fait pour perdre? Et elle n'est plus un être humain debout. Donc c'est ça le travail. C'est ça. Donc ça veut dire que quand l'être humain aussi meurt tôt, on te tue. Mais tu es là quelque part d'abord. Comment il est quand les sorciers te tuent. Mm-hmm. Oui. Moi, tu es dans le plan astral d'abord. Oui. Le plan astral, il y a tout, vous savez. Il y a tout, il y a du bon et de la racaille. Merci. Et racaille, là, c'est beaucoup. Il y a trop de racaille, là. Le bon, il y en a, mais il faut d'abord aller... Aller dans la sphère supérieure. Merci. Ouais. Avant de descendre. Sinon, ce n'est pas possible, ça. Donc, les sorciers, moi, je vais vous dire aujourd'hui, je ne veux pas trop donner de détails parce que ça va faire peur aux gens. Oui. Il faut s'armer avec l'essentiel, le feu sacré de l'amour divin. C'est des bombes atomiques. Ils n'aiment pas du tout le feu. C'est un grand secret que je viens de livrer. Et la force de la lumière. La lumière. Merci, la lumière divine. Il faut travailler avec les méthodes de la lumière divine. Je vous assure. Et avoir de bonnes pensées, de bons sentiments, le sorcier va vous dire de venir. Mais il va venir vous donner la main. Il va vous dire, non, toi, tu es vraiment un fils de Dieu. Et toi, tu n'es pas un fils de Dieu. Il va dire, moi, c'est différent quand même. Comment les sorciers aussi apprécient les humains. Mais je vous dis, quand vous êtes bien dans du côté de la lumière, mais ils fuient, les sorciers fuient, parce qu'ils ont des chocs en retour. Si vous savez comment, quand on attaque un vrai fils de Dieu, le choc en retour qui lui arrive, oui. Non, quand même. Donc vous voulez dire que pour combattre la sorcellerie, il faut travailler avec des âmes de lumière. De lumière. De lumière, rien que de lumière. Ils n'ont peur que de sur la chose de la lumière. Le reste là, ils sont forts, ils sont beaucoup, ils sont armés. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Attendez, si un vieux vous parle maintenant pour dire, moi je suis un peu à l'abri, un sage, qui vous dit, je suis un peu à l'abri, allez voir, il va dire, j'ai enterré plus de 2, 3 enfants, 5 enfants, avant que je ne sois à ce niveau. Mais ils arrivent toujours à prendre quelque chose chez les gens, avant d'être fort, même si c'est en bas, allez, non, comment. Nos grands-parents aussi, ça n'a pas été facile pour eux. Mais là, pour vite les neutraliser, oui, il faut la lumière. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai dit pour la sorcellerie, oui, elle est utile, elle est, oui, utile, il faut les utiliser aujourd'hui. Positivement, hein. Positivement. Oui, mais il faut les utiliser, il ne faut pas penser comme eux. Parce qu'il y a des lois qui résistent. Et tout ce que nous pensons, oui, agissons, ces lois, c'est là. Tout s'enregistre. Et ça passe après. Ouais. Et après, ils sont neutralisés. Ils ne tiennent plus le coup. D'accord. Oui, oui, ils tiennent plus le coup. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Merci. Vous êtes le président de l'association Fraternité solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Merci pour vos explications. Merci. J'espère que nos téléspectateurs en ont suffisamment appris. Mm-hmm. Et n'ayez pas peur. Merci. Travaillez avec la lumière. Mm-hmm. Et tant que vous avez la... Marchez tant que vous avez la lumière. Merci. Et travaillez pour avoir la lumière. Très bien. Merci, chers amis téléspectateurs. Et à très bientôt. Merci.